Je suis en position lumière verte. Faisons l'appel. Prêt. En position. Toujours prêt. Je suis prêt aussi. Mais si nous échouons, nous aurons fait notre maximum. Jinking, on est avec toi. Très bien, les amis. En avant. Pénélope et Murray comptent sur ton boulot du deuxième étage pour rentrer. Ils doivent être devant la porte d'entrée. On ouvre la porte à une dame? Il y a encore des gentlemen? J'essaie de faire ça dans les règles. Ça va aller pour vous là-bas? La sécurité est tendue. Ouais, ça le fait. Tu ferais mieux de te bouger si tu veux arriver à temps pour le Panda King et le gourou. Oh, j'ai jamais le temps de me poser. C'est quoi le plan? D'après le plan, il y a un ordinateur de sécurité à l'autre bout de la salle, sous la statue du dragon. Je devrais pouvoir le détruire avec ma voiture téléguidée. À condition que j'évite tous les rayons bleus. Les rayons bleus? Oh là là, ça me stresse!
Le portail laser devrait disparaître. Il y a peut-être un autre ordi ou un truc comme ça. Mais il devait y en avoir qu'un. Les terminaux de sécurité sont toujours actifs. Si ce second ordinateur réinitialise tout, on n'y arrivera jamais. Pénélope, je fais ce boulot depuis super longtemps. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que quand rien ne va, il faut appliquer la règle d'or. Ah ouais? C'est quoi? Tout casser. T'as raison. Si je peux détruire tous les terminaux de sécurité avant que l'autre ordinateur ne soit en ligne, le portail laser devrait s'ouvrir. Parlons moins et cassons plus. J'ai pas beaucoup de temps. Bon an, cassage de trucs. Je... Waouh ! Respect ! Merci, mec. Piquons ce trésor. On dirait une porte à double levier. Vas-y, je suis prêt. À la 3. 1, 2, 3. Des dragons! Je les ai eus! Ok, on essaye encore! 1, 2, 3! Ouais! On y est! Qu'est-ce que tu vois? C'est mortel? Il y a un sacré butin! Mais les fondations ont l'air pourries! C'est pas stable du tout! Hé, hey, Murray, Zao se dirige vers vous. Ça se passe comment avec le trésor? Ça se passe trop bien! Pousse-toi, Pénélope! Boulet de canon! Non, attends! Esclave du timing, c'est tout moi. Le Panda King et le Gourou sont en position sous le palais. Une fois que tu seras au-dessus, ils commenceront à tout dégommer. Autant faire les choses avec style. Ok les gars, je suis au-dessus. Les vases autour de toi sont une vieille technique chinoise pour détecter les attaques souterraines. Notre tunnel pour délivrer Jing Ting va secouer le palais. J'ai capté. Et si jamais un vase tombe, ça déclenche une alarme. Correct. Ne les laisse pas tomber. Je mets ma confiance entre tes mains, Sly Cooper. On va sauver Jing Ting. Promis. Avada. Le gourou a raison. Que la fête commence. Thank you.
Ça y est, on est juste en dessous de la chambre nuptiale, à quelques centimètres de Gene King. T'entends ça, Bentley? À toi. Attire Carmelita avec ta cam grappin à l'avant du palais. J'ai laissé une carte de visite, je suis sûr que ça va la faire venir. Ensuite, j'ai prévu une petite ruse. Oh, reste en position sur la plateforme, tu vas bientôt recevoir un gros colis. Il est en cavale, il faut qu'il se la pète. Oh, père! Vous êtes venu me sauver du général Zhao! J'aurais jamais imaginé ça! Oui, ma fille, tu es sauvée.
Attention, Sly, t'as de la compagnie. Ok, Bentley, passons au plan secret Alpha. Tu sais, celui où je me déguise en général Tsao et que je vole la mariée voilée pendant la cérémonie. Ouais, assure-toi que tout le gang est là. Ok, je fonce au rendez-vous. Terminé. Sly Cooper et ses plans secrets. Qui est cette mariée voilée qui l'intéresse tant, au fait? Bon. Il n'est pas le seul à pouvoir jouer au jeu des costumes. Je vais leur offrir à lui et son clan un mariage armé qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Quels sont ces tremblements étranges qui ont troublé ma méditation et ce, la veille de mon mariage? Ne t'inquiète pas, belle mariée. Je ne laisserai rien empêcher notre amour de s'épanouir. Même pas tes misérables tentatives d'évasion. Enfin, je réussirai peut-être mieux à méditer au milieu de la splendeur de mon trésor. Carmelita a mordu à l'hameçon. Vous en êtes où, les gars, avec Jin King? On est dans le van. On n'attend plus que le trésor. Hé, Murray, Tsao se dirige vers vous. Ça se passe comment avec le trésor? Ça se passe trop bien! Pousse-toi, Pénélope! Boulet de canon! Non, attends! Ok, les amis! Arrachez-moi le trésor! Je suis prêt! Familial détruit! Je n'ai jamais subi un tel outrage! Vous allez payer! Prends ça, Tsao! J'ai cassé ton temple et je te casserai la figure au nom du clan Cooper! Je suis invincible! Ah oui? Lève le nez, Bentley! Coffre au trésor devant! L'injustice! Dragon de pierre du temple, j'en appelle à toi. De la pierre à la chair, viens en aide à la famille Tsao. Jésus, Marie, Joseph! Non! Lâche-moi! La lignée de Tsao est encore chez elle. Écoute-moi, Sly Cooper! Ma lignée surpasse la tienne de partout! C'est pas le nom qui importe, mon gars. C'est ce que tu en fais. Sly! Ça va aller! Je suis tombé sur l'une des fusées du feu d'artifice! Sly! Au secours! T'as des monstres pour qu'il me lâche! Thank you.
Et si on s'en allait? Mon héros! Je n'ai pas perdu, Cooper! Tu as peut-être volé mon trésor et assommé mon dragon, mais c'est toujours la fille! King King est à moi! Montez en vitesse et cassons-nous! Le général Tsao a eu son mariage pile à l'heure. Tout s'est passé comme prévu, sauf la mariée qui a provoqué comme un choc. Carmelita a été légèrement déçue aussi, mais elle a quand même dû être contente de mettre Tsao en prison. Après tout, il avait infesté les rues de vampires. D'après ce que je sais, les gens ont été contents de le voir partir. On a déposé Jing King chez sa tante. Le Panda King a affirmé qu'elle serait en sécurité ici pendant qu'il remplirait sa part du marché avec le gang. J'étais toujours sur mes gardes, mais il était vrai qu'on aurait besoin de ses compétences. Inutile de dire qu'on a fait la fête dans les petites rues de Shanghai. De quoi notre gang aurait l'air si on ne savait pas s'amuser comme ça ?